Par Georges Ivanovitch Gurdjieff. Les récits de Belzébuth à son petit-fils. Critique objectivement impartiale de la vie des hommes. Bienveillante recommandation improvisée par l'auteur au moment de remettre ce livre à l'imprimeur. Les nombreuses déductions et conclusions auxquelles ont abouti mes recherches expérimentales sur le profit que les hommes contemporains peuvent tirer des impressions nouvelles, dues à ce qu'ils lisent ou entendent, me remettent en mémoire une sentence populaire venue du fond des âges qui affirme « Toute prière peut être entendue des forces supérieures et être exaucée, à condition qu'elle soit récitée trois fois. La première fois pour le bien ou le repos de l'âme de nos parents. La deuxième fois pour le bien de notre prochain. Et la troisième fois seulement pour notre propre bien. Et je trouve nécessaire, dès la première page de ce premier livre prêt à être publié, de donner le conseil suivant. Lisez trois fois chacun de mes ouvrages. La première fois au moins comme vous êtes mécanisé à lire tous vos livres et journaux. La deuxième fois comme si vous en faisiez la lecture à un auditeur étranger. Et la troisième fois en tâchant de pénétrer l'essence même de ce que j'écris. Alors seulement serez-vous en mesure de vous former un jugement impartial, propre à vous seul, sur mes écrits. Et alors seulement se réalisera mon espoir que vous receviez, selon votre compréhension, le bénéfice déterminé que j'ai en vue pour vous et que je vous souhaite de tout mon être.